Yo tout le monde, c'est Looping, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Skyrim. J'ai enfin rencontré Nocturne. On a eu accès du coup à un des pouvoirs auxquels on pouvait avoir accès. Donc moi j'ai pris celui de la force, je crois. Attendez, non, c'est pas celui de la force. Comment ils appellent ça? Attendez, hop, magie, pouvoir. Conflit de rossignol, voilà. Absorbe instantanément 100 points de santé à la cible, ce qui est plutôt sympa. Et du coup voilà. Niveau quête, où j'en suis? Bah du coup j'ai ça là. La capuche grise de Nocturne. Une fois au cimetière de Faillet, j'ai croisé un voleur qui traînait près d'une tombe. Donc là c'est la prochaine quête que je vais prendre, je suppose. En plus c'est toujours en lien avec Nocturne. Et puis il s'agit du renard gris, de sa fameuse capuche. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire cette quête. Ensuite, ce qui serait bien, c'est de mettre fin à un running gag de mes épisodes depuis un bail maintenant. Il s'agit de quoi? Il s'agit du fameux arc de Draven qui me prend de la place du coup pour rien. Parce que l'arc de Draven, du coup, à chaque fois je dis il faut que j'aille lui rendre et je vais jamais lui rendre. Donc voilà. Du coup, ça c'est celui que j'utilise. Sauf que l'arc des ombres est vraiment plus puissant au final. Lui il fait plus de dégâts. Mais lui je crois qu'il tire plus vite. Pardon, l'arc des ombres. Je crois qu'il tire plus vite. Je vais rester sur celui-là du coup quand même. Bref. Du coup. On va parler à Kalia. Oui, parlez-moi de votre week-end nocturne. Où serez-vous désormais? Où serez-vous désormais? Voilà. J'ai décidé de m'installer dans le siège des rossignols. Puisque c'est aussi chez vous, j'espère vous y voir, Brignolfez-vous. Bien entendu, il pourra m'arriver de visiter certaines villes de bord de ciel pour acquérir quelques menus objets de temps à autre. Il ne faudrait pas perdre la main. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Adieu. Bon, allez, adieu. Ouvrez les yeux et que les ombres vous protègent. Merci, merci. Allez, on sera à l'entrée de la grotte des rossignols. Je crois que oui, voilà, je vais pouvoir faire tout le passage sans encombre, j'espère. Par contre, je me souviens plus si j'avais exploré le coin quand on était arrivé devant un peu plus tôt. J'en profite pour vous remercier hein, encore une fois tous ceux qui suivent mes épisodes, qui me partagent des petites astuces et qui me conseillent des quêtes. Encore merci à vous tous. Ça me fait extrêmement plaisir. Et ça me donne envie de continuer aussi, bien entendu. Pas de coffre dans le coin, j'ai l'impression. Prends quand même le temps de regarder, on ne sait jamais. Ça serait dommage de passer à côté d'un petit item. Bon, allez, on va sortir. J'ai vu flou pendant un instant. Donc là il y a ma licorne. Est-ce qu'il y a un truc que je... Bonjour le renard. Mais pourquoi tu m'attends ici? Bah. Tu veux pas fuir? Bah c'est quand même bizarre. Bon bah écoutez, une sorte de renard pas très farouche juste là. Alors qu'est-ce que je voulais faire, j'avais dit. Carte, donc il faudrait que je retourne à Faillez. Dites le code à un mendiant. Je me souviens pas du code moi. Et utiliser le quoi? Oh ça m'énerve. Bon de toute façon on va aller à Faillez, y a pas le choix. Non je veux pas aller là. Ça me gavait. Je veux me TP à Faillez. Oh là. Bon allez hop, c'est bon. Ça m'a saoulé. Bonjour. Je les sens tous stressés un peu là quand même. Hein. Alors il y a deux quêtes. Bon là je suppose que c'est le mendiant à qui il faut dire le code. Et là c'est... Vous venez d'arriver en ville, hein? Ben non mais... Vous voulez pêcher j'imagine. C'est à qui je dois dire le code? Dites le code, dites le code. Bah oui.
Bon, on va sauvegarder là et on va... Vous voulez rester en vie ? Bah tiens, lui on a déjà parlé, Sniff. Les divins vous bénissent. Puisse le sol trembler sur votre passage. Les ombres vous protègent alors ? Bien entendu. C'est tout ? Ok, note de l'étranger. Bon, bah écoutez. Objet. Je pensais qu'il fallait choisir parmi un choix de code, mais même pas. Note de l'étranger. Vous êtes là pour la mission. Vous ne savez pas ce que vous devez faire, mais je suis sûr que cela vous intrigue. Aucun problème, vous n'avez pas besoin de tout savoir pour l'instant. Il y a un coffre dans la maison de Bolly. Il se trouve sur une commode, près de son lit. Trouvez un moyen de l'ouvrir, les instructions concernant la mission se trouvent à l'intérieur. Signé un étranger. Bah, signé plutôt SDF du coup. C'est qui ça ? Pêcher dans le lac Onric. Si vous faites la manche, c'est à mon mari qu'il faut vous adresser. Si vous voulez de la compagnie, je pourrais tomber plus mal. Oui, pourquoi il faut que je lui parle à elle ? Ah, oui. Retrouvez les instructions dans la maison de Bolly, optionnel, persuadé du vendeur de vous donner les clés. Bah tiens, allez. Si vous avez Bolly est quelque part dans le coin à saouler les pauvres de ses inepties sur Mara. Oh, ça ne présage rien de bon. Je peux aller voir ça pour vous afin de m'assurer qu'il ne s'agit pas d'un piège. Et attendez, il explosera si vous l'ouvrez, laissez-moi le désarmer. Bref, nous discuterons plus tard. Bah non, je vais essayer de la persuader. Non, je ne crois pas. What? Avec la nouvelle foi de mon mari, peu lui importe ce que je fais de mes journées ou de notre argent. Ça me convient. Je ne prétends pas, ce coffre contient vraiment quelque chose. Oh, ça ne présage rien de bon. Ça peut péter. Merci. Tenez, c'est pour vous. Il suffisait de gueuler en fait. C'est dangereux. Ok, allez. Bon, nous voilà chez Bolly. Vous savez quoi, je vais me mettre à l'aise parce que cette veste, finalement, ne me sert à rien. Il fait pas si froid. Ah. Et puis, elle me gêne plus qu'autre chose. Allez, hop, boost, t'es puni, va là-bas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? De la lavande. Un petit guéridon. Qu'est-ce qu'il y a dans le guéridon? Des pièces d'or. En fait, j'ai envie de fouiller, mais j'ai pas envie de faire de conneries non plus. Bon, après, je pourrais sauvegarder, hein, évidemment. Y'a pas un petit passage secret ou un truc du genre? Genre là, par exemple. Non? Tant pis. Bon, bah allez, on va directement monter à l'étage. Oups. Qu'est-ce qu'on a à la table basse? Des petites pièces d'or. Je les prends pas, les pièces d'or, pour le coup. Je sais que ça me ressemble pas, mais je vais pas perdre de temps à voler des trucs qui me seront peut-être... Enfin, c'est pas que ça me sera pas utile. Mais... Oh. Là, il y a des trucs intéressants. Imaginons qu'un PNJ arrive dans mon dos à ce moment-là. Ça va faire capoter la quête pour un truc à la con. Pour le coup, je peux m'en passer. Je suis à 16 000 pièces d'or. Je vais revendre des trucs. J'en serai à 30 000 comme je veux. Donc, instruction d'étranger, journal de Nivenor, poupée d'enfant, titre de propriété falsifié. Alors, on va aller dans les livres. Voir le titre de propriété falsifié déjà. What? Bah non. À moins que ce soit dans le parchemin. Ensuite, il y avait le journal. Ah, c'est chiant ça, ce système. J'aurais dû le faire, ce truc d'installer Skyrim UI pour le jeu au départ du let's play. J'ai toujours méprisé les actes de charité de mon mari, mais au moins il ne s'agissait que d'argent. Jusqu'au jour où il invita cet étranger à dîner chez nous. Il s'agissait d'un garçon étrange, l'air étourdi et le regard absent. Je n'arrivais pas à savoir s'il scrutait mon décolleté ou l'amulette autour de mon cou. Mais une chose est sûre, son regard ne me quittait pas. Bien que la situation n'était pas totalement déplaisante, je ne pouvais me permettre de badiner à côté de mon mari. Oh, oh, oh. C'est pour ça qu'elle m'a sorti un truc bizarre là, en mode « si vous cherchez la compagnie, j'aurais pu tomber plus mal ». J'ai compris plus tard qu'il ne me fixait pas personnellement, ce qui l'intéressait était cette étrange poupée derrière moi, donc celle que j'ai récupérée. Il me demanda alors si j'attendais un enfant. Je lui répondis que non, et que cette poupée était destinée à l'une des œuvres de charité de Bolly. À Solitude, Eric Kure nous demanda d'accueillir un enfant
pour des raisons qui me sont inconnues. J'ai indiqué à Bolly que je ne voulais aucunement avoir affaire à ce gamin, mais il est bien trop têtu quand il s'agit d'aider son prochain. Heureusement, quelques jours après le dîner, l'enfant disparut, et je ferais mieux de ne pas m'en soucier. C'est peut-être la peluche qui a fait disparaître l'enfant. Et du coup, j'ai les ordres de mission. Instruction de l'étranger, je suppose que c'est ça. Voilà. Bah, j'ai volé le titre de propriété et inspecté la maison d'Héricure. Ok. Vous avez avec brio accompli les épreuves jusqu'ici. Il est donc temps de passer aux choses sérieuses. Mais avant tout, voilà pourquoi vous êtes ici. Vous avez probablement entendu parler du décès du renard gris. C'est la vérité. Mais il vit au travers de celui ou celle qui porte sa capuche. Cette mission révélera si vous êtes cette personne. Mon nom, ce n'est pas important. Je ne suis qu'un étranger qui souhaite que la capuche soit transmise à quelqu'un de méritant. Comme vous pouvez l'imaginer, la mission ne sera pas simple. Elle requiert une certaine vivacité d'esprit et de la dextérité. Mais si vous réussissez, vous aurez prouvé que vous êtes digne d'être le prochain renard gris. Récupérez le titre de propriété falsifié dans le coffre, puis cherchez une femme nommée Gisli à Solitude. Le véritable document devrait être en sa possession. Subtilisez-le et puis déposez la copie falsifiée dans la maison d'Héricure. Elle pensera l'avoir égarée. Une fois la mission terminée, cherchez le tonneau derrière le Ragnar pervers pour obtenir d'autres instructions. Un étranger. Ok, bon. Bah, j'ai envie de dire go en fait. Un petit peu de thé là, ça fait du bien. Donc, que me dit la quête déjà? D'aller à Solitude, c'est ça? C'est là. Ah non, faut voler le titre pour prêter à Gisli, donc c'est pas celui que j'avais. Inspecter la maison d'Héricure. De toute façon, dans tous les cas, ça se passe à Solitude. On va se TP là-bas. Ah, faut aller carrément le voler sur Gisli. Oh là là. Ah, mais je suis une quiche, moi, avec ça. Les vols à la tire, je suis une catastrophe. Surtout que là, visiblement, elle est à l'extérieur. Ah, bah, elle est là. Bonjour. Bienvenue au centre du monde. Ou du moins, du monde de mon frère, Héricure. Alors, Héricure est votre frère? Oui, mon frère aîné. C'est sûrement à lui que vous devriez vous adresser. Mais à vrai dire, depuis la mort de Torrigg, c'est Falk Barbebraise qui détient le pouvoir à la cour. Mon frère n'est rien de plus qu'un m'as-tu vu. Ok. On va sauvegarder. Nous en parlerons plus tard, s'il le faut vraiment. Voilà. Avez-vous rencontré mon cher frère? Ce n'est pas mon problème. Vous pouvez bien me donner un septime ou deux? Je pourrais. Je pourrais même t'en donner plus de 16 000, mais j'ai un pas envie. Un peu d'or pour un vétéran. Ah, t'es un vétéran, excuse-moi. Pas. Ah, mais c'est elle qui tient la boutique. Je peux vous aider? Quelle chance! Encore quelqu'un de charmant. Désolé. Le reste donne envie, mais je m'en passerai. J'ai réussi à le voler sans me faire repérer, alors qu'ils étaient juste devant moi. Oula, il y avait un témoin qui arrivait en face. Ok. Tiens, bonjour. Vous voulez... On va essayer d'entrer à la maison d'Héricure, tranquille ou pépère. Si vous comptez aller au Palais Bleu, vous devriez changer de tenue. Je me suis longtemps. Et toi, si tu veux parler à ma propre personne, tu devrais me montrer un petit peu plus de respect. Elle vous suit jusqu'à ce qu'elle en ait fini. Oui, bon, ça va, le vétéran, hein. Si besoin que tu me fasses la chanson, je te mettrai une piécette. Tu manques tellement de respect. Bon, c'est pas le cas dans la vraie vie, heureusement. Hé, hey, vous voulez jouer au loup? Il y a un truc avec eux, je suis sûr. Non, j'ai pas envie de jouer avec vous au loup maintenant. Mais j'aime bien envoyer chez les gens dans le jeu. Ça a quelque chose de jouissif en fait. C'est un bon endroit pour faire la cueillette ici. Hein. Des langues de dragon. Des lys. Des obscurcines. Ah, il y a un tonneau qui dit qu'il y a quelque chose à voler ici. On peut rentrer ici sans les clés. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle avait les clés sur elle? Oh, il y a peut-être Erika dans un coin par contre alors.
Il y a un œuvre sac là. Ça, on s'en fout. Ça, je prends. Je prends. J'aimerais bien des lingots, moi. De toute façon, ils ont dit d'inspecter, alors je vais inspecter, hein. Ah, mais là, c'est carrément pour sortir. Mais à quoi servait le fait d'avoir des clés sur elle si la maison est même pas verrouillée? On dirait limite que c'est un piège. Ok, donc ça se situerait là, en fait. On va d'abord explorer cet endroit. Elle a pas pris. La question c'est, y a-t-il quelqu'un ici en fait? Pourquoi faire une querelle entre le frère et la sœur? Je comprends pas. C'est le nom de quelqu'un qui travaille là-bas ou... Ou c'est moi qui hallucine? Non, non, c'était moi qui hallucinais. Cette pièce d'or dans la bourse, ça fait plaisir. Alors là, c'est l'endroit d'où je viens. Ok, donc on a ici, donc j'ai tout exploré. Donc maintenant il y a l'étage là, il n'y a pas d'autre étage. Ok, visiblement il n'y a personne dans la baraque. Bon, j'en profiter, hein. Ma souris qui déconne, ça m'emmerde ça par contre. Ça fait des mois que ça dure, enfin depuis l'année dernière que ça dure, mais je fais rien pour la changer. Vous sentez l'esprit de la flemme qui me possède là quand même? Le mec il rage contre sa souris une fois tous les deux jours. Mais non, 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 on va pas remplacer ça, ça sert à rien. Bah dis donc. On s'en fout. Hop, un petit nano nordique. Ah, quand on ira le SOSDEM. Alors, je vais vous dire un truc. Après, on va continuer à faire les contenus additionnels du jeu, forcément. Il y a un tas de choses. Un tas de choses à faire. Lettre à Gisli, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, attendez, je lis ça, je finis ça et je vous explique un petit peu le programme. Les travaux au port est de Jeana ont été approuvés et commenceront dès lors que le transfert de propriété sera officiel. Le consentement du garçon devrait suffire étant donné que le chef du clan Lame Givre est absent depuis longtemps et que sa mère est malade, tel qu'indiqué dans le message de votre frère. Je joins le titre de propriété à cette lettre. Envoyer le garçon à Fayez avant qu'il ne soit assez vieux pour comprendre ce qui lui arrive est une excellente idée, mais pas l'orphelinat. Il vaut mieux qu'il vive confortablement afin d'éviter d'éveiller les soupçons quant à nos motivations. Pour autant, il s'agit d'un pari risqué, et il pourrait l'être encore davantage si l'héritier légal revenait. Votre frère me tuerait s'il lisait mes mots. Mais si vous en avez l'occasion, il pourrait valoir la peine de vendre notre petite entreprise à un bon prix. Nous avons eu assez d'ennuis comme ça. M. On va prendre la lettre, par contre, ça peut servir. Là. Ok. Bon, alors, dedans, on a quoi? Ah, je peux pas voir le truc. Ok. On va sauvegarder. Oui, donc du coup, je disais, niveau projet, un petit peu, ce qui serait intéressant, c'est effectivement que je fasse. Donc là, je fais deux, trois petits trucs comme ça, je fais quelques petites quêtes annexes, où ça, c'est bien.
Mais on a fait la quête principale, on a fait la confrérie, la guilde des voleurs, on a fait l'académie de Fort du Vert. Je dis pas qu'on les a fait totalement, attention, hein. Je dis qu'on a fait la grosse partie. Après, il y a plein de quêtes autour, je sais très bien. Vous m'en parlez dans les commentaires, mais je fais varier un petit peu le contenu. Il faut bien que j'avance aussi au niveau du contenu principal proposé par le jeu. Et autant vous dire que ça reste dense, mais après on aura tout le temps hein, de revenir sur ces quêtes-là, parce que Elder Scrolls 6 il sort pas avant plusieurs années encore. Donc croyez-moi que ce let's play, on va y rester encore un sacré paquet de temps. Donc voilà, je pense que ce qui serait bien, c'est que je fasse 2-3 petites quêtes là encore, comme ça, par-ci par-là. Ensuite, on va s'occuper sans doute de Dawnguard. Puis ça sera déjà bien. Après ça sera Dragonborn. Et là on aura fait, je crois, le tour des principaux contenus du jeu de base avec ses add-ons de base. Ensuite bah, on pourra même faire au milieu des quêtes annexes, bien entendu, et des quêtes proposées par l'édition Anniversary. Ça change pas. Mais on garde une trame principale pour pas trop se perdre non plus. Et puis pour que voilà, les choses avancent au fur et à mesure. Bon, allez, direction la sortie. D'ailleurs, n'hésitez pas hein, à continuer en commentaire, à me proposer des quêtes, à me donner des conseils au niveau des quêtes qui seraient intéressants pour moi, d'ailleurs, ça c'est bien, et sur comment y aller pour les déclencher, parce que le plus souvent, me donner des conseils sur des quêtes que je suis en train de faire, donc dans la vidéo sous vos yeux, mais il faut savoir qu'il y a de grandes chances que la quête que je fais sous vos yeux, en fait, je l'ai déjà terminée depuis plus d'un mois. Et que du coup, forcément, les conseils que vous me donnez, je ne vais pas pouvoir les faire. Et puis derrière, vous allez du coup vous dire, ah, mais en fait, il n'écoute pas ce qu'on dit. C'est pas que j'écoute pas, c'est que malheureusement, quand je fais des sessions d'enregistrement, j'en enregistre entre 10 et 15 d'épisodes d'un coup. Hein. Donc autant vous dire que, voilà, quand vous les voyez en ligne, ça fait un paquet de temps que je suis déjà passé à autre chose. Après, rien ne m'empêchera plus tard de revenir sur certains contenus, si c'est possible encore pour moi. Bien entendu, hein. Si derrière ça m'apporte quelque chose de bien, je vais pas m'en empêcher, on est d'accord. Ah, pour cueillir ici, c'est trop cool. Hein. Elle est où? Ah, elle est à l'auberge. Ah non, fallait que j'aille derrière l'auberge, justement. Il y a un coffre. Attendez, je vous connais. Ouais, j'ai une star, je sais. Des pommes rouges et dernière instruction de l'étranger. Lisez les dernières instructions de l'étranger. Il faudrait un... une touche pour ouvrir directement le document qu'on vient de piocher. Non, c'est dans le livre. Beau travail, vous avez subtilisé le document et avez procédé à l'échange. Il va vous falloir désormais mettre ce talent et d'autres à l'épreuve. Au repère de Brise d'Argent, j'y suis déjà allé, ça je me souviens, se trouve une crypte dans laquelle repose un ancien clan nordique. Près d'un grand coffre gît un cadavre avec une lanterne qui continue d'éclairer. Fouillez-le pour trouver une clé. Une fois en votre possession, ouvrez le coffre. Ce dernier contient une épée capable de réanimer les morts vivants. Lorsque vous l'avez trouvée, ramenez-la à la tombe du renard gris à Fayez. Elle est surmontée d'une petite stèle vierge à l'est du cimetière. Accomplissez cette mission et vous aurez peut-être la chance de le rencontrer en personne, un étranger. Mais Brise d'Argent, je me souviens, parce que c'est l'endroit où... si je me souviens bien, c'est là où je suis allé récupérer l'arc de... le fameux arc magique qui s'appelle... Ah, oh, comment je peux oublier ? Comment je peux oublier ça? Je vous ai fait une vidéo tuto dessus. Et j'ai pas l'arc sur moi en plus. Qui s'appelle... Alors attendez, j'ai essayé de vous retrouver ça en direct live. En direct live. Si ça veut bien charger, voilà, contenu. Voilà, bord de ruine. Putain que je suis con. L'arc bord de ruine, c'est ça. Et je suis pratiquement persuadé que c'est là-bas que j'étais justement. On va récupérer ces petites obscurcines, voilà. Et ben go. On va se téléporter à l'endroit désigné sur la carte. Ah non, c'est peut-être pas là. Ah non, c'est pas là du tout, parce que la fameuse grotte où j'étais allé, c'était... c'est la crique pierreuse ou un truc du genre. Il y avait un petit lac devant. Le repère de Brise d'Argent, c'est autre chose. Donc non, je me suis planté. Oubliez ce que j'ai dit. Mais je me rappelle quand je suis passé dans cet endroit. Je crois qu'il y avait une... Merde. M'attaque pas. Je crois qu'il y avait une course-poursuite justement avec un... Une bestiole ou un bandit ou un truc du genre. Et du coup, je m'étais arrêté et j'avais fini par aller explorer le truc en passant. Parce que j'étais en train de courir par là-bas, là.
Donc voilà, les petits aléas de l'exploration et de l'aventure. Et c'est ça qui est cool dans ce jeu-là. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à la commenter, à la liker si ce n'est pas déjà fait. Prochain épisode, ben voilà, on retourne dans ce repère de Brise Argent pour aller effectuer la quête et avoir une chance peut-être de rencontrer le Renard Gris en personne plus tard, si c'est. Et donc, ben, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde, c'est Looping. Bye bye.